Aux alentours des années 1638, le peintre Nicolas Poussin a réalisé le tableau Les Bergers d'Arcadie. Ce tableau est exposé au musée du Louvre à Paris. Au-delà de sa qualité, il intrigue, il fascine, il porte des messages. Chaque observateur peut faire ses interprétations, et chaque observateur peut faire des lectures différentes selon les étapes de sa propre vie. Ce que tu vois maintenant sera probablement différent de ce que tu verras demain ou après-demain. Alors, qui peut dire avec exactitude ce que Nicolas Poussin a voulu peindre? À mon sens, une œuvre est divine lorsqu'elle nous offre des clés de compréhension sur nous-mêmes et sur le monde. Des clés qui permettent d'ouvrir de nouvelles portes et de percevoir des vérités qui conduisent à une vie qui rime avec bien-être et création. Sur l'écriteau, près du tableau au Louvre, tu peux lire « Même en Arcadie, moi la mort j'existe ». Il est indiqué que cette inscription rappelle qu'il faut profiter des plaisirs de la vie qui est brève. Profiter des plaisirs de la vie qui est brève. Quel est le sens du mot « profiter » ? De quelle vie s'agit-il ? Cette description du tableau de Nicolas Poussin n'est pas la mienne. Je choisirai toujours les vérités qui me permettent de grandir, d'être libre, plus consciente et heureuse. Les vérités qui offrent une vie plus lumineuse et colorée. Le tableau Les Bergers d'Arcadie est une œuvre initiatique. Elle mène à la réflexion, à l'exploration, à l'introspection. Le tableau met en exergue la Trinité, l'union de nos aspects, la vie, la mort, la nature, les illusions, l'ombre, la lumière, l'élévation, l'ascension, les guides, les clés de la connaissance, le temple de la paix. La résurrection. Sur ce tableau, tu peux voir quatre personnes, trois hommes et une femme, un tombeau en pierre, des arbres, des montagnes. Une partie du ciel est bleue et une autre partie est teintée de nuages plus ou moins sombres. Sur le tombeau, il y a l'inscription « Et in Arcadia ego » et « En Arcadie je » ou bien « Et en Arcadie je suis ». La conjonction de coordination « et » offre une valeur additionnelle. Je suis ici, maintenant, en tant qu'être humain, et en Arcadie, je suis. Penses-tu pouvoir te situer dans deux espaces en même temps? Qu'y a-t-il derrière le « je »? Je suis une femme, je suis une fille, une sœur, une amie, mais encore. Je peux me croire séparée de tout, par ego, tout comme je peux avoir conscience que je suis liée à tout. Chacun donne au jeu le sens dont il a conscience. À chacun son jeu. L'Arcadie renvoie à la mythologie grecque. L'Arcadie fait référence à un lieu idyllique où règne l'harmonie, la paix et où demeurent des bergers heureux. Les bergers, les bons pasteurs, peuvent encourager les aveugles à retrouver la vue. Les textes christiques ainsi que la mythologie grecque et égyptienne l'évoquent. Il y a les bergers et les faux bergers. Il y a ceux qui guident et rassemblent, tels des rois et des reines humbles, qui ont la volonté de protéger et de faire grandir chaque être qui compose leur nation, sans chercher à nuire aux autres nations. Et il y a ceux qui portent des masques de bergers. Ces derniers, tels des reines ou des rois orgueilleux, accentuent les voiles et les divisions. Ils se nourrissent de leurs propres troupeaux. Nicolas Poussin semble trouver de l'inspiration dans la sagesse antique. Il semble d'ailleurs que le premier nom du tableau fut les pasteurs d'Arcadie. Cette appellation a ensuite laissé place au nom les bergers d'Arcadie. Les quatre personnes représentées sur le tableau sont comme des guides. Ils invitent à l'observation, à l'exploration, à la réflexion, à l'introspection. En ces quatre personnes, je perçois les quatre aspects d'un seul être. Ces quatre personnes ne font qu'un. Je m'explique. La femme représente la conscience, la sagesse, la lumière, la source de vie. Ici, elle apparaît de profil, comme pour rappeler qu'il n'y a qu'une seule partie d'elle-même qui est révélée. Elle est imposante par sa silhouette et ses courbes généreuses. Elle est vêtue de vêtements dorés et bleus. Elle dispose d'un voile qui tombe en arrière. Ce voile laisse apparaître ses cheveux.
Deux lanières entourent son crâne et le voile glisse à l'arrière de sa tête. Par cette disposition, je perçois les trois étapes qui permettent l'accès à la Trinité. Dans différentes cultures, les cheveux représentent la force vitale. Les cheveux sont aussi un signe de liberté. Force vitale et liberté vont de pair. En considérant ces symbolismes, le voile camoufle la force vitale et empêche la liberté. Mais ici, dans le tableau de Nicolas Poussin, le voile semble s'apprêter à tomber. La conscience, représentée par la femme, semble patiente. Elle appose sa main et son avant-bras sur le berger couronné de lauriers et vêtu de rouge. Un geste qui semble révéler qu'ils sont liés. L'homme tient un bâton et montre de ses doigts un aspect du tableau. Il semble mettre en avant un axe de symétrie. Une symétrie telle un point d'équilibre au niveau de ce qui ressemble à un tombeau. L'homme en rouge est le seul personnage représenté le visage de face. Son regard se dirige vers la femme. Il semble révéler que pour trouver son équilibre, il s'est tourné vers sa conscience, sa lumière. Ou encore, qu'en se laissant toucher par sa lumière, par sa conscience, il a trouvé son point d'équilibre, un point d'équilibre qu'il place sur un tombeau. Le tombeau peut faire référence à la mort. Mais qu'est-ce que la mort? Le tombeau symbolise aussi un monument qui commémore, à l'instant présent, d'anciennes vies. Le tombeau est comme une porte vers l'au-delà. Il peut représenter un espace de métamorphose, un passage d'une étape à une autre. La vie est faite de plusieurs vies. La vie est expérience. Les expériences peuvent mener à des compréhensions, à des conscientisations, à des élévations. Chaque expérience, chaque vie permet d'avancer, de grandir. Le tombeau, qui renferme toutes les connaissances acquises au cours de vie, est comme l'arche d'alliance. Celles et ceux qui atteignent la Trinité, qui unissent leurs quatre aspects, qui trouvent le point d'équilibre que semble révéler le berger vêtu de rouge, peuvent accéder à la sagesse, à la connaissance de soi et de l'univers. Ici, le tombeau semble rappeler l'arche d'alliance. Selon les textes christiques, l'arche d'alliance est un coffre en bois d'acacia recouvert d'or pur à l'intérieur et à l'extérieur. Moïse, l'homme sauvé des eaux, y aurait déposé les tables de la loi divine. Nicolas Poussin a d'ailleurs peint un autre tableau où l'arche d'alliance est amplement visible. Il se nomme la peste d'Asdod. Sur le tableau Les bergers d'Arcadie, le tombeau présente des marques sur l'axe de symétrie. Ces marques me font penser à des tentatives d'ouverture du tombeau, ainsi qu'à des serrures. Certains ne voient pas les serrures. D'autres cherchent à forcer les serrures. Et d'autres, comme des bergers, suivent le chemin qui mène aux clés pour les ouvrir. Continuons d'explorer le tableau. Un homme est vêtu de bleu et de sandales couleur argent. Il a un genou à terre qui rappelle l'humilité, l'acte de se prosterner comme pour faire une déclaration, une révélation. Il porte une barbe, signe de virilité mais aussi de sagesse. Il tient un bâton d'une main, comme pour indiquer qu'il est un berger, et de l'autre main, il montre de son index l'inscription « Et in Arcadia ». Et plus particulièrement la lettre R du mot Arcadia. La lettre R est la 17e lettre de l'alphabet grec. Le chiffre 17 peut symboliser le début de la connaissance, de la vérité. Le 1 reflète le commencement. Et le 7, la sagesse, la connaissance, la sortie de l'ignorance, c'est-à-dire la levée des voiles. L'ombre de l'homme vêtu de bleu est particulière. L'ombre de son bras peut faire penser à une faucille. Cette ombre peut ainsi faire référence à la faucheuse
et donc à la mort. Ici encore, Nicolas Poussin semble nous inviter à un voyage dans le temps, en Grèce antique, où le roi des titans, appelé Cronos, régnait avec ses attributs le globe et la faux. Il est dit que Cronos dévorait ses enfants et que son sixième enfant, Zeus, mit fin à cela, grâce à l'intervention de sa mère, Rhéa. C'est alors que Cronos s'exila sur Terre, en simple mortel, et fonda une communauté agricole désignée sous le nom de l'Âge d'Or. Dès lors, la faux, la faucille, symbolisa les récoltes. Par sa forme en croissant, elle rappelle la lune et la féminité, le cycle de vie lié à la mort et la renaissance. Là où le temps existe, les cycles existent. La faucille, dans la mythologie grecque ou encore égyptienne, fait aussi référence à la moisson. Lorsque la plante atteint sa maturité, vient le temps de la récolte. Récolter le blé nourrit, rend plus riche. Mais qu'est-ce que la richesse ? Revenons au tableau. L'homme vêtu de bleu dispose du nombre qui rappelle l'existence des cycles, de la vie et de la mort, de l'agriculture et des récoltes. Il met l'accent sur la sagesse, la connaissance et l'Arcadie, et donc les écrits de la Grèce antique. Son nombre rappelle que chaque être dispose d'une part d'ombre, et que pour voir l'ombre, il faut de la lumière. L'ombre est visible sur un support, un mur, le sol. Elle est le reflet de notre corps, dans un environnement qui ne dispose pas d'une pleine lumière. L'ombre se montre lorsqu'une source lumineuse est d'une certaine manière obstruée. Être humain, c'est par nature disposer d'une ombre. Chacun peut ignorer son ombre et refuser de grandir. Tout comme chacun peut apprivoiser son ombre. Chacun est libre d'utiliser sa faucille à sa manière. Il y a ceux qui dévorent les autres pour devenir plus forts jusqu'à leur mort, et il y a ceux qui sèment des graines, cultivent et récoltent des fruits, des connaissances jusqu'à leur mort. Est-ce que leur vie, leur renaissance, a le même goût ? La vie a le goût des graines que l'on sème et cultive. Poursuivons les observations du tableau. Près de l'homme vêtu de bleu se tient un homme vêtu d'un tissu clair, que l'on pourrait associer à la couleur de l'ivoire ou de la couleur beige. Il tient fermement de sa main gauche son bâton de berger. Il prend appui sur le tombeau. Son imation, son vêtement, se trouve bloqué entre son bras et le tombeau. Sa main laisse apparaître trois doigts serrés qui me font penser à la Trinité. Son pouce et son auriculaire sont écartés comme pour révéler que pour atteindre la Trinité, il faut atteindre une certaine maîtrise de soi. À noter d'ailleurs que dans la culture indienne, le pouce est associé au feu et l'auriculaire à l'eau. L'index fait référence à l'air, le majeur à l'éther et l'annuaire à la terre. L'homme appuyé sur le tombeau porte une couronne de laurier, tout comme l'homme en rouge. Il est pieds nus et croise les jambes. La couleur de sa tenue évoque la pureté, la neutralité. Il est dit que le trône du roi Salomon était en ivoire, un symbole de pureté et de puissance. Ses jambes croisées me font penser à la croix, un symbole de l'ego. Pour trouver son équilibre, pour composer au mieux avec son ego, l'homme prend appui sur le coffre de la connaissance. Il met en évidence que son contact avec la connaissance se fait par la pureté et la neutralité de ses principes. Ici, il faut comprendre neutralité comme étant un point d'équilibre. Évoquons plus en détail les couleurs.
Le vêtement or reflète la lumière, la connaissance, la conscience supérieure. On retrouve l'or sur la femme via le tissu qu'elle porte, mais aussi via ses sandales. Le bleu est la représentation de l'énergie féminine. On retrouve le bleu sur la femme ainsi que sur l'homme aux genoux à terre. Remarquons aussi que cet homme a des chaussures couleur argent. Il est la représentation de l'homme sacré, de l'homme qui incarne à la fois son énergie masculine, sa virilité, et son énergie féminine. C'est-à-dire qu'il est relié à sa conscience et qu'il dispose de sagesse. Il semble ne pas avoir peur de la mort, de son ombre. Le bleu est souvent lié à la dimension spirituelle, à la sagesse, au calme intérieur. La couleur rouge fait référence à l'énergie masculine. C'est l'énergie qui permet de mettre les idées en action. Si les actions sont cohérentes avec l'énergie féminine et la lumière, alors il y a un équilibre entre les forces. Cet équilibre devient un point de création. Lorsque l'énergie masculine est maîtrisée, elle reflète le feu sacré. Elle devient précieuse, tel un rubis. Une pierre philosophale qui permet de transformer le plomb en or. Le rouge fait référence au sang, à l'énergie sous sa forme physique, à la passion. Sans conscience, sans lumière, y a-t-il de véritables passions? N'est-ce pas pour cela que la femme se lie à l'homme vêtu de rouge et que l'homme place son regard sur la femme? Remarquons aussi que l'homme en rouge a le genou plié, rappelant l'humilité et la prosternation. Son pied est posé sur une pierre. On peut visualiser ici un signe d'élévation. Son coude et son genou se touchent. Il semble révéler qu'élévation et point d'équilibre sont étroitement liés. Le blanc que l'on retrouve sur le voile de la femme et les chaussures de l'homme rouge est-elle une nuance? Une nuance capable de refléter n'importe quelle couleur. Elle est indissociable du noir, son opposé. Elle apporte lumière et visibilité. Je t'ai dit précédemment que les quatre personnes ne font qu'un. Voici plus concrètement pourquoi. Sur ce tableau, il y a trois hommes. Chacun d'eux révèle un aspect de notre énergie. L'un met l'accent sur l'énergie masculine, l'autre sur l'énergie féminine et le troisième sur l'énergie neutre. L'énergie neutre représente l'équilibre des deux principes énergétiques, l'équilibre des deux forces opposées. Lorsque les forces se rejoignent, elles créent un point de création. La femme représente à la fois l'énergie féminine ainsi que la lumière et la conscience. Elle semble représenter ici l'immatériel, l'invisible. Elle ne dispose pas de bâton. Elle est omniprésente par sa prestance, ses courbes et ses couleurs. Elle est comme une mère nourricière. Elle est visible de profil, ce qui met l'accent sur la forme de son visage et plus particulièrement de son nez, qui est droit et trace une ligne continue avec son front. Cette image rappelle ainsi Aphrodite, la déesse grecque, ou encore Vénus, la déesse romaine. Comment évoquer ces déesses sans parler d'amour? L'amour et la lumière semblent indissociables. Les trois hommes semblent représenter la matière. Ici, dans ce tableau, ils symbolisent des êtres incarnés, dont la mission est de guider ceux qui les observent. Que tu sois un homme ou une femme, ici, sur Terre, tu es un être incarné. Tu es conscience, énergie féminine et énergie masculine. Dans la dualité, tu peux ignorer inconsciemment l'une de tes énergies, l'un de tes principes. Tu peux te croire à l'opposé des autres si tu n'es pas uni en toi-même.
tu peux ignorer la lumière et l'amour symbolisés par la femme sur le tableau. Dans la Trinité, tu trouves l'équilibre de tes énergies, de tes forces, et tout cela en conscience. La Trinité est une union en soi, une union qui s'accentue par quatre qualités d'esprit: la sagesse, l'amour inconditionnel, la compassion, la paix. Cette union intérieure offre sérénité, joie, complétude, passion, bonheur, créativité. Les quatre personnes peintes sont comme les représentations des quatre qualités d'esprit. Ces quatre aspects mènent à s'élever. À l'image des montagnes en arrière-plan, l'élévation se fait en plusieurs étapes. En alchimie, trois grandes œuvres sont évoquées. Les quatre personnes, par leur représentation, rappellent les quatre pieds de l'Arche d'Alliance, tels les quatre pieds de la connaissance. Il est dit que chaque pied du coffre dispose au-dessus de quatre anneaux. Il est indiqué qu'il fallait quatre individus pour surélever l'Arche d'Alliance. Nicolas Poussin semblait vouer un grand intérêt au chiffre 4. Puisqu'il demanda, par l'intermédiaire de son testament, que lors de sa mort, quatre torches soient allumées autour de son corps, exposées à l'église paroissiale. Il demanda aussi que durant la célébration de la messe, quatre cierges soient allumés sur l'autel. Revenons à l'Arche d'Alliance qui semble être représentée par le tombeau. Ce coffre dispose d'un axe de symétrie. Sur son couvercle, deux chérubins sont placés à chaque extrémité. Ils se font face. Leurs ailes sont déployées et se rallient. Tous deux regardent vers le coffre. Leur rôle est de protéger le contenu de l'Arche d'Alliance. Chaque chérubin semble rappeler un aspect. L'un féminin, l'autre masculin. Par leurs ailes, leur qualité d'esprit, leurs quatre piliers, ils viennent trouver leur point d'équilibre. De cet équilibre, de leur qualité, ils obtiennent la connaissance et en deviennent les gardiens. Concernant l'Arche d'Alliance, il est aussi dit que les murs de Jéricho, ville faisant référence aux divinités lunaires, s'écroulent lors du septième passage de l'Arche d'Alliance et que cela est précédé par sept trompettes. Le 7 est le chiffre de la connaissance, de la vérité, des révélations. Ainsi, les textes anciens révèlent que lorsque les connaissances que renferme l'Arche d'Alliance seront divulguées, symboliquement ici par le bruit des trompettes, les voiles qui empêchent de voir l'énergie féminine seront levées, symbolisées par l'effondrement des murs. Le tableau « Les bergers d'Arcadie » de Nicolas Poussin semble lié à l'Arche d'Alliance. D'ailleurs, l'Arcadie est la patrie du dieu grec Pan. Il s'agit du dieu protecteur des bergers et des troupeaux. Pan réside sur une montagne. Il est la figure de la nature universelle. La notion de protection est importante. Bon nombre d'artistes ont laissé des clés de compréhension à travers leurs œuvres. De tout temps, il y a ceux qui parlent et entendent la langue des oiseaux, et il y a ceux qui utilisent la matière pour ancrer la connaissance. Certaines œuvres sont comme des livres ouverts, des livres qu'il convenait de protéger. Pour les protéger, il fallait que ces œuvres offrent différentes lectures. Le savoir qu'elles renferment ne devait pas être mis en lumière à certaines périodes, à certaines personnes, sous peine d'être détruit. Car oui, par ignorance, par peur ou encore par orgueil, des êtres sont prêts à détruire ce qui leur fait peur ou encore ce qui ne nourrit pas leurs intérêts purement personnels. Nicolas Poussin semble le rappeler avec la présence des nuages plus ou moins gris. Le ciel s'éclaircit, mais les nuages, représentations des égaux plus ou moins prononcées, sont encore présents au moment où il peint l'œuvre. Il y a les bergers et les faux bergers. Les faux bergers ont un fort égo qui les empêche d'être dans la lumière. Mais dans les temps d'Apocalypse,
L'heure est aux révélations. Parlons rapidement des clés. Nicolas Poussin a également peint le sacrement de l'ordre, où apparaissaient les clés du royaume des cieux. L'une est argentée, l'autre dorée. Ces deux couleurs ne te rappellent-elles pas la couleur des chaussures de la femme et du berger vêtu de bleu, représenté sur le tableau Les bergers d'Arcadie? Nicolas Poussin disposait sans nul doute de connaissances qu'il a souhaité partager grâce à ses talents, en prenant soin de les protéger. Il avait, semble-t-il, conscience des différents niveaux de lecture, des lectures qui dépendent des niveaux de conscience. Selon le degré de lumière, de conscience, de connaissance disponible dans notre temple intérieur, nous pouvons faire des lectures différentes des œuvres et plus largement du monde qui nous entoure. Chacun détient une vérité qui est le reflet de son intériorité. Nicolas Poussin semble s'être laissé inspirer par des poètes de la Grèce antique, une époque marquée par une philosophie qui invitait à se connaître soi-même pour connaître l'univers. On peut aussi y voir des références à l'Égypte antique. D'ailleurs, à l'image des bergers qui tiennent un bâton, outil sur lequel il est possible de s'appuyer, les pharaons avaient parmi leurs attributs une crosse de berger. Cette crosse rappelle aussi le bâton pastoral, symbole du pouvoir ecclésiastique. Mais derrière les attributs, il y a les intentions. Tout comme il y a des bergers et des faux bergers, il y a des rois et des faux rois. Remarquons que dans le tableau de Nicolas Poussin, les bergers disposent de bâtons en bois et de couronnes de laurier. Le laurier fait aussi référence à la Grèce antique. Il était dédié aux protégés des dieux. Dans l'Antiquité romaine, des couronnes de laurier étaient offertes aux vainqueurs. On remarquera que sur le tableau, les couronnes de laurier semblent révéler que l'aspect masculin et l'aspect neutre ont été reconnus par la conscience. Une reconnaissance qui vaut protection et alliance avec l'énergie féminine, caractérisée par la couleur bleue. La mort est souvent évoquée dans les descriptifs du tableau, mais reste que chacun a sa définition de la mort. J'ai pour ma part conscience que la renaissance, et donc la résurrection, ne sont pas toujours synonymes de mort physique. Nicolas Poussin a-t-il souhaité mettre l'accent sur la nécessité de trouver les clés pour accéder à la vérité la plus grande, la vérité qui mène à l'harmonie, à un monde que l'on pourrait nommer Arcadie? L'Arcadie renvoie aussi à la mention Pia Ours. Arca, fils de Zeus et de Callisto, est roi de l'Arcadie. Il est dit que pour protéger Callisto et Arca, Zeus les transforma en constellations, en grand ours et en petit ours. S'agissant d'Arca, le poète grec Ovide relate dans les Métamorphoses une autre vision, puisqu'il indique qu'Arca est devenue la constellation Bouvier, gardien de l'ours. Regarde la grande ours. L'Arcadie semble y faire référence. Cette constellation ne te rappelle-t-elle pas le tableau de Nicolas Poussin, l'Arche d'Alliance et les quatre aspects de l'être? Elle est aussi appelée Grande Casserole ou encore Grand Chariot. On peut y voir sept étoiles brillantes de la Terre. Sept, chiffre de la connaissance. On peut aussi y voir un coffre composé de quatre étoiles, quatre piliers. Ce coffre est lié par trois autres étoiles. Le chiffre 3 rappelle la Trinité. Selon une légende arabe, la grande ours symboliserait le cercueil d'un père suivi de ses trois filles en pleurs. Dans la culture hindoue, elle fait référence aux sept sages. Observons que la grande ours a une constellation qui semble être son reflet, telle une jumelle, plus petite, et dans le sens inverse, il s'agit de la petite ours. Cette notion rappelle la symétrie, l'effet miroir, le grand jeu et le petit jeu, qu'il est possible d'observer dans le tableau de Nicolas Poussin. Près de la grande ours se situe la constellation du Bouvier. Le Bouvier rappelle l'histoire racontée par Ovide, le poète grec. Arca, le roi de l'Arcadie,
aurait été transformé en constellation du Bouvier pour devenir le gardien de la Grande Ourse. Le Bouvier est représenté par un laboureur qui détient parfois dans une main une faucille et une houlette dans l'autre. Cela ne te rappelle-t-il pas l'ombre présente sur le tombeau? Le tombeau est la représentation du coffre qui détient la connaissance. Les bergers guident, grâce à la conscience, la lumière, la source de vie, l'énergie féminine, l'énergie masculine, mais aussi grâce à l'équilibre et aux qualités d'esprit, c'est-à-dire à la sagesse, l'amour inconditionnel, la compassion et la paix, qui sont des aspects élevés de notre énergie. L'ensemble du tableau révèle des connaissances, et il met l'accent sur le fait qu'il existe des gardiens de la connaissance, des gardiens de la lumière. Il existe d'autres tableaux qui portent le nom « Et in Arcadia Ego ». Parlons-en, par ordre chronologique. En 1918, le Guerchin a proposé une première version. On y voit deux hommes, l'un vêtu de rouge, symbole de l'énergie masculine, et l'autre vêtu de blanc, une nuance qui peut révéler de multiples couleurs. On n'y voit pas de tombeau, mais un crâne semblant faire référence à la mort. Ce tableau semble mettre l'accent sur la dualité et les mystères de la mort. Entre 1628 et 1630, Nicolas Poussin peint une première version de Et in Arcadia Ego. Sur cette version, les couleurs sont plus ternes. On y voit trois hommes et une femme. La femme est vêtue de blanc et laisse apparaître un sein. Le sein est symbole de fécondité, d'amour maternel. On peut voir ici de la nourriture spirituelle. Elle révèle l'une de ses jambes, créant une sorte d'alignement avec les jambes des deux hommes. Est-ce là une volonté de mettre l'accent sur la Trinité? On remarquera que l'homme qui semble vêtu de rouge prend appui sur sa jambe droite, contrairement à la femme, et l'homme qui semble vêtu de bleu. La femme est découverte. Elle ne porte pas de voile. L'homme qui semble vêtu de rouge brandit un bâton de berger au bout courbé, et il est couronné. Il montre du doigt l'inscription « Et in Arcadia Ego ». Son doigt est positionné sur la lettre D, soit la quatrième lettre de l'alphabet grec, nommée Delta. Le 4 est un doux mélange de trinité et de conscience. Est-ce là une invitation du peintre à trouver sa trinité, à se relier à sa conscience? L'inscription est notée sur un cercueil où pose un crâne qui nous fait remarquer une fissure sur le cercueil. Le crâne est-il la simple représentation de la mort? Et de quelle mort parle-t-on? La mort physique signifie-t-elle la fin? Ici, sur ce tableau, le crâne semble venir fêler le cercueil. N'y aurait-il pas, derrière le crâne, une notion d'esprit? Un homme est assis par terre, il est couronné, et il a, semble-t-il, les cheveux blancs. On pourrait y voir un signe de sagesse. Il semble se mettre à nu, se dévoiler. À l'aide d'une jarre, il déverse de l'eau sur la terre. L'eau est un symbole de pureté, de substance divine. L'eau, utilisée avec discernement, hydrate, elle nettoie, elle révèle. Et qui dit révélation, dit vérité. Cet homme rappelle le signe et la constellation du Verseau. La constellation du Verseau est située dans une zone céleste appelée la mer, car elle est entourée de constellations aquatiques. Le Verseau rappelle la notion d'ère astrologique. Une ère durerait environ 2150 ans. L'ère du Poisson aurait débuté en l'an zéro, et l'ère du Verseau devrait bientôt commencer. Nicolas Poussin aurait-il voulu faire un lien entre l'Arcadie et la nouvelle ère à venir? L'homme qui verse l'eau rappelle aussi la cartomancie, et donc le chemin initiatique du retour vers soi. Par son comportement, cet homme fait référence à l'arcane 17 du tarot de Marseille, à savoir l'étoile. Cette dernière rappelle l'étoile du berger, l'astre qui nous guide dans le noir. L'étoile est symbole de retour aux sources, à la lumière. Elle est liée à la sagesse, à la conscience. Par l'eau,
Il y a aussi la notion de guérison. Tout étant lié, la guérison peut se faire par la connaissance. Nicolas Poussin pourrait aussi avoir fait référence à Poséidon, frère de Zeus, fils de Cronos et Rhea. Poséidon, appelé aussi Neptune, a été mis à l'honneur dans un autre tableau de Poussin, intitulé « Le triomphe de Neptune ou la naissance de Vénus ». Remarquons que sur ce tableau, Poséidon dispose d'une cape bleue, couleur de l'énergie féminine. Il tient un trident qui rappelle la Trinité et il est tiré par quatre chevaux qui rappellent les quatre qualités d'esprit. Quant à Vénus, elle tient un tissu rouge, symbole de l'énergie masculine, comme pour montrer sa reliance à cette énergie. On voit aussi sur ce tableau une jarre dans laquelle coule de l'eau sur terre. À droite, une femme et un homme sont enlacés. Ils portent une cape dorée, symbole de lumière et de connaissance. L'ensemble des tableaux de Poussin est riche d'informations. Revenons à la première version des bergers d'Arcadie. On remarque aussi que le ciel est majoritairement couvert de nuages épais et qu'il laisse apparaître une zone d'éclaircie, de ciel bleu. Il y a la présence d'arbres qui rappellent la vie, la paix, la sagesse, l'air. Les quatre personnes sont pieds nus. Dans cette version du tableau, on peut voir chaque personne comme la représentation d'une seule personne, ou bien on peut voir aussi les quatre personnages comme ne faisant qu'un. Résumons brièvement. Le tableau de Le Guerchin montre la dualité. La première version de Poussin révèle la Trinité avec la purification par l'eau. Il parle d'Arcadie, et par le chiffre 4, que représente notamment la lettre D, il dirige vers l'étape qui suit celle de la Trinité, c'est-à-dire l'étape de la reliance à sa conscience supérieure. La seconde version de Poussin met l'accent sur la Trinité, la conscience, la sagesse. Il y parle d'Arcadie, de berger et donc de guide. Poussin nous dirige vers la connaissance, notamment par le chiffre 17 que représente la lettre R. Rappelons que le 17 symbolise le début de la sagesse, de la connaissance. Cette version nous invite à effectuer un travail sur nous-mêmes, à identifier nos différents aspects, à trouver notre plus grande vérité et à observer les étoiles. La mort, les cieux et donc les étoiles semblent liées. C'est aussi une invitation à se référer à des savoirs ancestraux, antiques, et à en faire des interprétations différentes, plus lumineuses et moins égotiques. À travers ces différents tableaux, Nicolas Poussin semble avoir voulu représenter des scènes liées à la perte de conscience, et il semble avoir, par l'art, protégé des informations. S'agissant de la perte de conscience, évoquons rapidement le tableau intitulé « Le massacre des innocents », peint par Nicolas Poussin. L'homme semble s'apprêter à trancher la tête de l'enfant placé sur un tissu blanc. Il dispose d'un vêtement bleu, représentation de l'énergie féminine, au niveau de ses jambes. Mais il semble rejeter cette énergie, à l'image de son geste où on le voit tirer les cheveux de la femme à genoux, vêtue de doré, symbole de lumière, de connaissance. Ici, l'homme se laisse dominer par l'énergie masculine et rejette la lumière, l'énergie féminine. On remarque que la femme en arrière-plan, vêtue de bleu, se tient les cheveux. Ressent-elle la souffrance infligée par le rejet de la femme en doré? Là encore, les quatre personnages peuvent ne former qu'un. Par le rejet de l'énergie féminine, de la lumière, le nouveau-né va grandir dans l'ignorance de qui il est véritablement. Il va symboliquement perdre la tête. Il va grandir et se construire une personnalité égotique en lien avec des conditionnements, des croyances. Son drap blanc reflètera les couleurs qui l'entourent, à l'image de sa vie qui reflètera les couleurs de son environnement. Il lui faudra apprendre à sortir des conditionnements pour retrouver sa lumière, sa vraie nature. Nicolas Poussin a, semble-t-il, mis en peinture des informations lisibles par celles et ceux dont le niveau de conscience le permet.
Il existe différents degrés de lecture et d'interprétation. Ce n'est pas parce qu'une majorité de personnes est conditionnée à un degré de lecture que cette lecture est une vérité absolue. La vérité est biaisée dès lors qu'elle souhaite s'imposer, par ignorance, par peur, par ego. Je n'aurai de cesse de choisir les degrés de lecture qui mènent à plus de lumière, plus d'amour, de sérénité et de joie. Des degrés de lecture qui mènent à plus de grandeur, de connaissance, de partage bienveillant. Qui sait où s'arrête la connaissance? Au fil des siècles, des années, de nombreuses personnes ont gravé dans la roche, mis en musique, posé sur papier, partagé des informations avec leurs semblables sous différentes formes. Ils ont créé une préservation de données, d'informations, qu'ils ne pouvaient pas exprimer ouvertement. Penser différemment, penser tout simplement, c'est une liberté qu'il faut protéger. Avoir conscience de qui nous sommes, c'est aussi avoir conscience du contexte, de l'environnement dans lequel on se trouve. Bon nombre de personnes ont conscience des graines qu'ils sèment, ils connaissent leurs intentions. Tout ce qui a été caché, quelles qu'en soient les raisons, sera révélé. Nicolas Poussin semble être un gardien de la connaissance, de la lumière. D'ailleurs, à l'âge de 55 ans, il a peint un autoportrait où il tenait un livre et un crayon. Sur le dos du livre apparaissait la mention latine « De lumine et color », ce qui signifie « de lumière et de couleur ». Cette inscription a été masquée lors d'une restauration du tableau. Un an après, Nicolas Poussin a peint un deuxième autoportrait. Il tient d'une main un livre fermé, entouré d'un ruban rouge. À son petit doigt, à son auriculaire, on perçoit une bague en or, dont la tête est une pierre qui reflète la lumière. L'auriculaire est souvent lié à l'oreille, à l'écoute. L'or est souvent lié à la conscience, à la richesse, mais chacun définit la richesse à sa manière. La connaissance est une richesse en soi. Le peintre est vêtu de noir, une nuance qui permet de se fondre dans un décor. On remarquera tout de même que sous son manteau, un col blanc apparaît. Son regard semble nous inviter à regarder vers la gauche, l'arrière-plan du tableau. On peut voir une toile dans une toile. Une femme couronnée d'un diadème y est représentée. Le diadème laisse apparaître un œil en son centre. Cela rappelle le troisième œil, et donc la conscience, la connaissance. La femme est de profil. Un profil qui peut rappeler celui de Vénus, d'Aphrodite, et donc qui peut être un clin d'œil à l'amour inconditionnel. Des bras d'homme entourent les épaules de la femme. On peut voir ici que l'énergie masculine accueille l'énergie féminine et la conscience, la sagesse. Il y a une notion d'accueil, d'ouverture, d'équité, d'encouragement. L'Arcadie est l'espace où la lumière, la sagesse, la conscience demeure. Les bergers d'Arcadie sont ceux qui disposent de lumière, de connaissances pour avancer. Ayant conscience de leur individualité, mais aussi de la dimension collective, ils sont altruistes. Ils guident celles et ceux qui le souhaitent, sans s'imposer, vers plus de grandeur, de connaissances, de lumière. Ils sont les gardiens de connaissances au fil des siècles. Nicolas Poussin semblait être lui-même un berger de l'Arcadie, un berger reconnu des autres bergers, un berger qui attire celles et ceux qui souhaitent accéder à plus de connaissances, de conscience, de lumière et de couleurs.